moi, pendant la Coupe du Monde, je suis les adversaires de l'équipe de France pendant le premier tour et ensuite, s'il y a des adversaires. Donc la semaine dernière, j'étais avec le Honduras, cette semaine, on est avec la Suisse et la semaine prochaine, on sera avec, avec l'Équateur, voilà, pour parler des adversaires, la façon dont ils jouent. On est des sortes d'espions, en quelque sorte. Je pense déjà, bon, ils jouent pas exactement. Les deux milieux de terrain suisses et français jouent pas exactement dans la même configuration, puisque nous on joue à 3, vous jouez plus à 2. Et du coup, Pogba et Inler ne se retrouveront pas forcément toujours dans les mêmes zones, ce qui est plutôt bien pour Inler et pour Pogba. Parce que c'est un vrai duel, c'est un gros duel qui risque de se livrer. Et après, comment dire, c'est difficile de savoir qui peut sortir vainqueur d'un duel pareil, puisque. Dans un grand match, dans un grand soir, Gökhan est capable de faire de grandes choses. L'ennui, c'est que Pogba aussi, il est capable de faire des trucs assez incroyables. Mais je pense que Inler aurait plus de chances dans ce match-là du fait de son expérience. Il est beaucoup plus expérimenté, il est plus âgé. Alors que Pogba découvre tout ça. Inler a déjà fait une Coupe du Monde, il a déjà fait un Euro. C'est vrai que finalement, son évolution à lui a suivi l'évolution du Napoli, qui est passé d'un club de milieu de tableau de Serie A à un club aujourd'hui de top niveau, puisqu'ils ont terminé 3e cette saison. Donc forcément, son évolution à lui est plus visible aujourd'hui et on voit bien que c'est un joueur intelligent, un joueur important. Finalement, un de ces joueurs qu'on voit pas beaucoup dans les matchs, mais dont les coéquipiers ou les adversaires disent toujours « Celui-là, il est important parce qu'il nous empêche de développer notre jeu ou alors il nous aide, nous, à développer notre propre jeu. » C'est le genre de joueur un peu invisible, comme on pouvait avoir chez nous en France Patrick Vieira, Claude Makélélé, des joueurs comme ça dont on voit pas forcément tout de suite l'apport, mais dont les adversaires se disent ah, c'est dur d'affronter un joueur comme ça et je pense que Paul Pogba, il est sincèrement pas rassuré au moment de se dire, parce qu'il l'a vu, hein, il l'a joué avec la Juventus, je pense qu'il est pas rassuré, il sait ce qu'il vaut et il sait que ça va pas être facile, vraiment. C'est vraiment un joueur extrêmement complet, surtout un joueur très important pour la Suisse. Je pense que pour ce match-là, si la France arrive à neutraliser Inler, plus Inler que Berami, je pense que la France aura résolu une grande partie du problème. J'espère qu'on y arrivera.